Kirsty. Paraît que les scouts c'est mort, mais j'en fais un quand même. Tu peux pas m'empêcher de propager ma musique urbaine. On m'a dit nique c'est mort, pour toi Kirsty c'est dead. Tes bêtes elles feront l'affaire pour faire bouger les frères. Paraît que les scouts c'est mort, mais j'en fais un quand même. Tu peux pas m'empêcher de propager ma musique urbaine. Et vu que le rap est loin, que c'est la crise du disque, bah j'arrive car la vie c'est des prises de risque. Paraît que le CD est décédé, qu'il est mis en terre, et qu'internet l'a incinéré, que ce n'est que de la poussière. J'arrive des terres pour le déterrer et le faire renaître. J'viens profaner sa pierre tombale pour le ramener des enfers. Remballe tes chrysanthèmes, fils, c'est la résurrection d'une époque où sortir un disque était une obsession. Maintenant on se contente de faire un titre, on balance vite sur iTunes avec un clip sur YouTube et on croit tous vivre le truc. Mais combien de mecs en indé sont prêts à mettre leur vie de côté? Combien de lobés t'es prêt à investir pour pouvoir finir ton projet? Combien de ci, combien de ça, comment tu fais? Pourquoi tout ça? Tant de questions à se poser avant de vouloir sortir dans les bacs. Et si tu craques mon skeu, que tu l'as ripé sur la toile, l'important c'est que ça tourne. Donc mon pote, respect à toi, pas là pour faire de la maille. Bicraft, j'en ai rien à foutre, j'préfère faire bouger les têtes et que mes concerts soient fous. Paraît que les scouts c'est mort. Paraît que les scouts c'est mort. Mais j'en fais un quand même. Paraît que les scouts c'est mort. Mais j'en fais un quand même. Tu peux pas m'empêcher de propager ma musique urbaine. On m'a dit nique c'est mort. Pour toi que si c'est dead, tes bêtes elles feront l'affaire pour faire bouger les frères. Paraît que les scouts c'est mort. Mais j'en fais un quand même. Tu peux pas m'empêcher de propager ma musique urbaine. Et vu que le rap est mort, que c'est la crise du disque, bah j'arrive car la vie c'est des prises de risque. Ok c'est Nice, Angeles, le rap je casse le menton avec une canne. Ça fait une peine que j'ai envie de lui mettre le coup de grâce. Il se pavane en carrosse, nous raconte des histoires. Si les choses se tendent, à l'aise il te parlera de swag. Il fera le clown pour t'endormir sous un beau soleil, un beau lieu, quelques bitches. Et puis te parlera d'oseille. Nous c'est le 06 fils, donc je dois faire les choses vraies. Ton rap capitaliste, tu peux le remettre au frais. J'applique les choses que mes anciens m'ont inculqué. Je me suis forgé grâce à leur savoir, sans rien occulter. Car mon grand-père était un héros, mon père est un zéro. Si le courage saute des générations, je ne dois pas faire le blaireau. Respect à ma mère qui m'a toujours soutenu. Après pratiquement 10 ans de rap, enfin j'atteins mon but. Voici donc mon album, pour le rap c'est une aubaine. Non ce n'est pas une quenelle, c'est de la musique urbaine. Paraît que le scud c'est mort, mais il en fait rien quand même. Tu peux pas l'empêcher de propager sa musique urbaine. Laisse tu le faire, parce que t'es prêt à écouter sa musique urbaine. Paraît que le scud c'est mort, mais il en fait rien quand même. Tu peux pas l'empêcher de propager sa musique urbaine. Et même si c'est la mort du rap game, il amène cette musique urbaine. Paraît que le scud c'est mort, mais j'en fais un quand même. Tu peux pas m'empêcher de propager ma musique urbaine. On m'a dit nuke c'est mort, pour toi Kirsty c'est dead. Tes bêtes elles feront l'affaire pour faire bouger les frères. Paraît que les scouts c'est mort, mais j'en fais un quand même. Tu peux pas m'empêcher de propager ma musique urbaine. Et vu que le rap est mort, que c'est la crise du disque, bah j'arrive car la vie c'est des prises de risque.